Alors je vous explique. Là, ça va être le premier. Ça va être le premier speed date que j'organise avec Virginie, d'accord? J'aimerais que vous soyez très très attentifs. Ça va être très simple. Chacun d'entre vous qui est assis sur la table, je parle des hommes, vont devoir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que le premier va aller à la place du deuxième, le deuxième va aller à la place du troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que... Non, c'est comme ça. Non, ça va être comme ça, là. Là, ça va faire comme ça, d'accord? Donc, tu pars d'ici, après... Voilà, voilà, exactement. Chacun se décale d'un numéro. Écoutez, ça... soyez... S'il vous plaît, soyez très attentifs, parce que ça va commencer dans quelques minutes. Donc, vous aurez... Vous aurez 3 minutes chacun, vous aurez 3 minutes à chaque fois pour pouvoir convaincre. Et vous allez devoir vous faire avec. Alors s'il vous plaît, dès l'instant où je vais mettre le chronomètre en route, ça va y aller. C'est la première, c'est pour ça. Bon, voilà. On verra bien pour les prochaines fois. Ok, d'accord. Je suis content. Bah, j'espère vous voir la prochaine fois. Ok. Thank you.
c'est une folie. Ça a montré. C'est la bordel, c'est la patrie. Il y en a, je sais pas qui leur prénom, il y en a d'autres, c'est trop. Donc, c'est trop sympa. Moi, j'ai trop déliré avec chacun des mecs. Lui, mon préféré, c'est lui. C'est lui. Hein, hein. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, mec? Moi, c'est moi le préféré. C'est moi le beau gosse. C'est moi le beau gosse. Oui. Alors, franchement, ce que j'ai écouté pour la première fois, c'était la première fois. Franchement, j'ai adoré. Franchement, c'est bien, c'est sympa, c'est trop délire. Et la prochaine fois, le concept c'est quoi? C'est les mecs qui restent sur place et c'est les meufs qui viennent. Ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on a pensé? La prochaine au poil. Franchement, bien, trop délire, bien sympathique. Respect. Je peux avoir ton avis? Qu'est-ce qu'on a pensé? Ça donne un peu le tournis parce que ça va très vite. D'accord. Mais c'est rigolo. C'est rigolo? C'est assez sympa. Ok, bah je suis bien content, ça t'a plu? Ouais, ouais. Mais okay. Ça aille moins vite la prochaine fois. D'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Moi, j'ai trouvé ça très très sympa, très bonne ambiance et je trouve que 3 minutes c'est très bien. Ah là là, je suis bien content. Très content. Alors Mamène, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement les gars, bonne idée. Vraiment, bonne idée. Et mon Facebook, c'est D-Lion Rebelle No Limites. Vous pouvez venir me voir dessus. Hein. Ok, y'a pas de problème. Viens te faire. Alors qu'est-ce que t'en as pensé Mamène? La balle. Ah ouais, la dernière. Hein. Ah ouais. Beaucoup ce qu'elle fait. C'est sûr qu'elle va arriver, Et voilà. Mais c'est okay. Bon concept, hein. À refaire. Je crois que t'en as pensé, Steph. C'était géant. J'ai rencontré plein de belles personnes. Et puis plus il y a que l'unité. À voir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis Asto, c'est le meilleur. Qu'est-ce que t'en as pensé, sister? C'était génial, je me suis super amusée, j'ai rencontré plein de monde, j'ai eu beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de répondants, beaucoup de prises de rire. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bonne soirée. Super crevant. Gwen, super meuf. Super crevant. Voilà. Mais attends, franchement, j'attends parler de soi pendant, attends, ça fait combien de temps qu'on y est là? Ça fait plus d'une heure que vous avez parlé. Ouais, très sympa. Qu'est-ce qu'on a pensé? Les rencontres tranquilles, je remercie. J'ai commencé par Gwen, elle était forte. Franchement, Gwen, super rencontre. De vous, bon délire. On sait pas, mais merci. De rien. Okay. Qu'est-ce que t'en as pensé, monsieur? Franchement, c'est une superbe expérience. J'ai jamais fait ça. Quoi d'autre? Honnêtement, ça m'a permis de parler à des personnes à des personnes dont je n'aurais jamais calculé. La preuve, la demoiselle. Tu ne connais pas lui. Non, on se voit tout le temps, mais je ne l'ai jamais parlé. À part bonjour, au revoir. Vous n'avez jamais parlé. L'initiative, chapeau. Ah bah voilà. L'initiative, bah, c'était l'occasion. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? C'était très agréable, super sympa. Des conversations intéressantes. Finalement, en 3 minutes, on découvre les hobbies des uns et des autres. Et c'est super cool, vraiment. Voilà. C'est un agréable moment. Je suis bien content. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, ma chérie? Bah écoute, c'est fort sympathique. Ah ouais? Okay, il faut que tu le refasses. Il y en a 3 là-bas qui n'ont pas été inscrits et il faut que tu les mettes. D'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé, ma mère? Bah écoute, c'était vraiment top. Bon délire, c'était convivial. Des gens sympas. À refaire, franchement, faut le refaire. Faut recommander ça. C'est un bon concept. Dans le cadre est agréable. Je le promotionne, on se sent bien. Merci. On s'est amusé comme un dingue. C'était juste énorme. Un bordel de concept des folies d'Asto. C'est un vrai délire. Ah, franchement, je me suis amusé comme un départ de rien. Bah, c'était ma foi sympathique. Pour une fois, à Paris, de parler avec des gens, c'était sympathique. C'était bien. Dis-moi. Eh bien, c'était très très sympa. Je me suis un peu fait attraper au vol. C'était pas prévu, mais finalement, je regrette pas. On rencontre des gens sympas. Voilà. Non, franchement, à refaire, c'était pas mal. C'est une première pour moi, mais bon, c'est sympathique, hein. Attends.
as pensé? Écoute, c'était super drôle. C'était super drôle, c'était super intéressant. C'est une bonne initiative. On attend les retours. Voilà, on attend les retours, Asto. Je compte sur toi, Asto. Ouais. Tu as en face de toi une femme célibataire qui cherche l'amour. Donc Asto, je compte sur tes talents d'entremetteur pour m'aider dans cette quête qui pourra m'aider à devenir une femme accomplie, Asto, et épanouie, ce qui est important. Ok. Voilà. Merci, Asto. Merci pour ce que tu fais. C'est une bonne initiative, ça nous permet de parler avec des gens avec qui on ne parlerait pas forcément. T'as serré ou pas, t'as serré? Non, je n'ai pas encore serré, mais il y a du beefsteak quand même. Il y a du numéro ou pas? J'ai des numéros avec non, plein de S. J'ai du numéro. Ce soir, tu vas manger. Alors merci Asto pour cette super soirée, c'était une super expérience, une première pour la bonne majorité des célibataires ce soir. Alors j'ai quand même appris que dans les célibataires il y en avait qui étaient quand même en couple, hein, donc les gens sont assez culottés quand même. Ah ouais, carrément. Mais voilà, c'était une très bonne soirée, super expérience. Merci Asto, il y avait des jeunes hommes très charmants, voilà. À voir pour la suite, hein. Prochaine interview, faudra le faire pour les conclusions, hein, les accords qu'il y a eu. Voilà, okay. Super. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé, mec? Bah écoute, ma voix, c'était sympathique. Il a serré personne. En fait, je connaissais pas. Et là, à la fin de la soirée, tu vois, il est déjà en train d'essayer de me dire, tu veux pas, il s'est loin. Ça, c'est des gens, ils m'ont vu grandir. Au lieu de m'arranger les coups, voilà. Et il veut que je lui arrange un coup. Mettre des bâtons dans les roues. Donc, il y a un moment où t'es. Voilà, mais bon, voilà. On va se débrouiller, on va. Mais c'était sympathique. J'ai découvert plein de choses sur les filles. Donc, les filles, vous avez mon Facebook. Ross, Asto. Bon, voilà. Merci en tout cas, Asto, c'était top. Dis-moi ce que t'en as pensé. Écoute, c'était sympa, on a rencontré des gens sympas, donc voilà. Elle aime mes cadeaux. Elle aime mes cadeaux. Cadeau au top. Ok, je suis bien content. T'étais où toi? Je viens d'arriver et je viens de partir. Je t'avais vu. Bon anniversaire, mec. Merci, mon frère. Ça m'a fait plaisir. La famille. Okay. Yeah, c'est ma famille. Big up à toi, Asto, à ta soirée. Speed Dating, parce que grâce à toi, il va pouvoir tirer sa crampe. Voilà. Super. Asto, le meilleur. Très vite. Ciao. Merci. Merci, Asto. Derrière.